amis internautes de l'Aquaïti Media, nous comptons ensemble avec vous aujourd'hui. Nous ensemble avec Lil Money, aujourd'hui Lil Money qui fait une musique ensemble avec BJ Boy, musique, petite musique ça, qui c'est Jemba de yon musique qui t'a roulé Delma 24, joue hommage à Evelyne Cessier que artiste haïtien yon t'a organisé. Yon musique qui visait dénoncer ça qui a passé dans la population haïtienne, entre autres kidnapping, assassinat, enlèvement, séquestration, tout ça qui a passé dans la communauté haïtienne. Alors, deux artistes qui situés dans Onaville, plus précisément Onaville 18, décident de porter voix aller pour faire connaître ça qui a passé dans le pays. Ils ont décidé de porter dénonciation pour faire connaître ça qui a passé dans le pays et faire un appel à la justice. Donc, nous ensemble avec Lil Money, une artiste de Jembadé qui pral parler ensemble avec nous, que nous pral faire un petit causé aujourd'hui. La Quality Media content à vous aujourd'hui, Lil Money. Bonsoir, comment est-ce? Bonsoir, nous en forme, nous avons profité de saluer toutes les fans de la Haïti et nous avons pas Lil Money. Bon, nous comptons avec nous aujourd'hui pour nous faire parler. Alors, Lil Money, je pense que ce n'est pas nous, d'Agbuni Sansou. Donc, Lil Money, qui bon Lil Money, sorti, qui bon non Lil Money, là, sorti. Et non Lil Money, là, sorti à travers un ami qui m'a dégagé. Et pour bien dire, c'est déménagement et il était bon, non. Et il était bon non parce que le premier nom que j'ai utilisé pour artiste c'était Loubac. Et il était là-bas, bon, ambassade américaine, tout le monde était appelé Loubac. Bon, il vient de me dire non ça, il était plus à l'aise si je me disais Lil Money. Or Money, il me dit bon, soit bon, je m'apprends parce qu'il n'est pas mort déjà, chérie. Je m'apprends, je m'apprends, et puis bon, Lil Money, je m'apprends, tout le monde m'aimait, Lil Money, je m'achète avec mes billes maintenant, je dis. Alors, qui ça Lil Money voulait dire normalement? Lil Money, vous venez de vous dire Lil, vous voulez parler de petit ou bien petit, Money qui c'est comme de l'argent. Vous voulez dire mon petit l'argent, il y a un gaspillé à terre. Alors, Lil Money ou sous musique, j'aime bien dire ensemble avec BJ Boy. Alors, BJ Boy, fait nous connaître que c'est vous qui t'es balle idée de musique. Ça, qui ça au cas de nous en plus? Bon, idée de musique là, elle vient par rapport au statut, moi, sur téléphone BJ. Moi, statut à côté, c'est de moi, c'est la prière. Et puis, la plainte, jouer la musique là, commencer à la dire, c'est l'idée gagnée, qui ça va le faire. Et puis, moi, et puis, même côté, tout texte BJ, je me dis BJ, soit penser si nous faisons musique sur ça. Et puis il dit, oh, ça n'a pas un problème, non? Il dit, nous, café musique là, il me dit, mais qui soit pensé, même il dit, bon, tu es un beatmaker. Il dit, tu es un beatmaker, il était tout bien beatmaker. Il voulait premier à Bali, il dit, non, c'est trop chaud, ça va être bien, il a fait ce que je vais faire la ville. Il voulait un deuxième, il dit, ok, ça marche. Et puis même à ce moment-là, il s'est tout écrit, toute partie par le pour lui. Moi, il m'a dit, il premier parti. Et là, il venait dans le studio à côté de Sousbit, quand il Sousbit nous fait musique là. Et nous dormons dans le studio, Sousbit fait soirée avec nous, elle fait minuit, il va faire un petit dormir, et puis nous même nous dormons dans le studio à demain pour nous continuer toujours, et puis pendant que nous lever à 5h du matin, je récupère par moi. C'est une musique pour moi, qui est un hommage à Evelyne Cessier, est-ce que c'est ça? Oui, bon, j'aime pas de pas forcément hommage. J'aime pas de son musique, ça fait nous balle j'aime pas de. Nous pas mettre rien qui titre hommage là-dedans, parce que nous juste fait introduction avec Evelyne. Mais nous débat thème là, nous pas seulement parler de Evelyne, nous parler de plusieurs victimes, plusieurs monde qui mourit, plusieurs monde qui assassiné dans le pays. Décidé de dénoncer ça qu'a passé. Avec quel sentiment vous faites? Faire musique là a un sentiment qui est très 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 dévié. Parce que et pas journée et pas première musique qu'a dénoncé ça qui pas bon. Je ne peux pas dire que la musique n'est pas pour changer le système. Ou bien je ne peux pas dire que la musique n'est pas pour faire une conscience. Si je pense à Masters même font un album pour ça déjà lui-même. Vous comprenez? Masters font un album, quand il a dénoncé tout ça pour bon même, il arrive à faire un marron. Alors, BJ Boy, donc c'est une grande initiative. Mais est-ce que BJ Boy, il y a des gens dans l'État qui accompagnent ou bien quelques choix, quelques sponsors? Ou bien quelques grandes autorités dans le pays qui accompagnent dans la musique ça? Bon, pour bien dire, nous n'avons pas aucune autorité qui accompagne nous. Nous n'avons pas d'autorité qui accompagne nous. Nous juste pour l'initiative là nous-mêmes.
mais sans oublier nos médias pas avec nous. Nous avons des médias qui avec nous et qui l'aime dire avec nous donc qui choisit accompagner nous. Mais si toutefois l'autre monde t'a voulu gagner sur nous, qui pas avoir aucun problème. Donc c'est avec bras ouverts que nous prenons tout le monde qui t'a voulu aider nous, tout le monde qui t'a voulu entrer dans l'initiative là nous prend avec nous. Donc est-ce que BJ Boy pas gagné, disons, ils ont les belles que il a affecté, sont les belles que lié. Non, BJ Boy pas gagné les belles, nous pas gagné rien. Donc BJ Boy indépendant. Indépendant. Ça veut dire nous là pour quelque soit monde qui t'a voulu investir, quelque soit monde qui t'a voulu entrer dans l'initiative que n'importe quelque soit monde qui t'a voulu mettre main avec nous n'importe là, nous là et porte nous ouvert pour tout le monde. Justement, BJ Boy c'est un rappeur ou bien un chanteur? BJ Boy c'est un chanteur. BJ Boy c'est un chanteur. Donc une fois que c'est un rap, même que c'est mon bagage que je dois faire. Parce que je me sentais mal à l'aise de m'chanter. Ok, BJ, a rappelé que amis internautes, auditeurs de la Pointe Haïti Média, on va suivre en direct pour le moment. Yon ti causé ensemble avec BJ Boy. BJ Boy qui c'est auteur musique qui t'a roulé dans Delma 24, joue hommage et que artiste haïtien ou tabler à Evelyne Saint-Cyr. Musique j'aime bien des qui t'a roulé, qui t'a fait en pile parler de lui sur internet là. Donc je dis nous ensemble avec BJ Boy pour nous parler, pour nous poser géo. C'est toutefois un peuple en l'état aimé associé dans le mouvement ça. Comment le cas fait ça? Bon, si peuple en l'état aimé fait. Ou ap juste faire vidéo à TikTok, ou pour télécharger musique là sur YouTube, ou juste marquer j'aime bandé, ou pour prendre musique là, ou pour télécharger sur Dynasty tout, et puis ou café challenge on la gueule sur TikTok pour ou, ou du moins, ou ap voye ba nous sur WhatsApp dans le numéro nous qui c'est 31 31 44 72, ou bien ou ka voye le numéro ça qui c'est 38 08 15 25, ou ka voye ce numéro ça tout, n'a pas recevoir. Ok, si on monte aimé, si on monte aimé investir dans nous tout, aimé entrer en communication avec nous, on cache nos même numéro surtout 31 31 44 72 38 08 15 25. Ok, donc amis auditeurs internautes de la Croix Haïti Média, nous t'as suivre en direct BJ Boy, artiste, compositeur, peintre, auteur de j'aime bandé, une musique de dénonciation, une musique d'appel à la justice qui a demandé pour justice là débandé gel pour le capable nous. Donc gens nous connaissons déjà en pile massacre fait, en pile assassinat, en pile enlèvement, en pile kidnapping, en pile disparition fait. Donc yon artiste kounya décidé parler, li décidé pote cri que public là by autorité yo, et li décidé pote aussi by toute population en général. Alors, BJ Boy, la Croix Haïti Média remercie ou pour disponibilité ou, et la Croix Haïti Média dit ou, bonne continuité et li attend nous une prochaine fois, à la prochaine. Okay, merci la Croix Haïti Média, merci beaucoup.